Gloire à Dieu. Yes. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Kareba. José Rebo Sabranta Rabata Labaya. Juge Brezebre Kebaba Warazada. Rabake Sebrente Labibora Zama. Oh, Sharabraya Harabrababa. La Zebrezo. Coria da Braza 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 Bro. Suzebreze Zizakre Maraza Bababa. Soyez bénis. Soyez bénis encore et encore. Merci, merci, merci. Wow. Merci de partager, merci de partager. Nous sommes là. Ouais. Seigneur, je crois. Ok. Iso. Aujourd'hui, nous allons monter. Aujourd'hui, nous allons accéder dans plus de gloire. Plus de gloire, plus de gloire. Les orabakazabrante. Orabababababa. Est-ce que vous pouvez élever la voix? Chambrenda. Kalabronso. Zanzakireboze. Camille Horobo Jabranta. Alléluia, Waragra Jabraje. Kore Brozondo. Alléluia, Rakabaya. Yes. Oui, je crois, oui, je crois. Je crois fermement, toute chose est possible. Et moi, je crois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci de partager de partout. Waouh. Le Seigneur est merveilleux au milieu de nous. Sa gloire nous suffit. Sa présence continue à nous faire beaucoup de bien. Combien il est merveilleux. Combien il est précieux. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez vos commentaires et que Dieu puisse vous bénir. Directement, nous allons avancer dans l'école opérée dans le miraculé, cette session spéciale sur les vagues, les courants spirituels, où nous sommes en train de voir ces thèmes importants sur le mystère du fleuve, des courants, ainsi que du tabernacle des lions. Nous avons expérimenté, nous avons vu le mystère du fleuve et aujourd'hui on va entrer directement dans le mystère du courant. On doit entrer dans le mystère du courant et je vous rassure que le Seigneur va se glorifier aujourd'hui, le Seigneur va faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Soyez prêts parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager au moins à 10 groupes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai aujourd'hui bref, je ne serai pas si long pour permettre à nos amis qui nous joignent depuis l'Afrique de nous suivre vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a souvent beaucoup de problèmes liés à la connexion. Que le nom du Seigneur soit béni. Rapidement, ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 46. Psaumes, chapitre 46, on va lire notre texte de base, le verset 4
Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Psaume chapitre 46, le verset 5 dans la version que je dois lire tout à l'heure. Et dans d'autres versions, il s'agit de la version ou disons du verset, j'allais dire, 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 4. Alors, rapidement, je dois lire. La Bible dit, lisons cela dans la version du second. Donc, psaume 46, le verset 4. Ouh, quelle présence de Dieu! La Bible dit ceci. La Bible dit, il est un fleuve dont les courants régissent la cité des dieux, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité des dieux, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Je vous inviterai à visiter ma chaîne YouTube Noah et Nadilomata. Vous allez suivre le live d'hier qui a été interrompu sur Facebook. Mais la totalité, c'était sur YouTube. Je parlais beaucoup de mystères. Je révélais des choses du royaume. Lorsque moi-même j'ai suivi cela ce matin, j'étais ravi en esprit. Je vous demanderai d'aller là-bas ainsi de vous abonner à cette chaîne. Suivez ces enseignements, ça vous fera du bien. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné, que ta gloire et ta présence règnent au milieu de nous. Laisse que tu nous impactes ce matin. Merci de nous toucher, de nous vivifier et de nous amener à contempler ta gloire et à les palper. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es avec nous, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est votre serviteur, Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Je suis en train de décortiquer sur le mystère qui se trouve dans ce fleuve divin et ce fleuve assez courant. Lorsque ce courant commence à être dans la navigation, lorsque ce courant commence à bouger, à couler, le tabernacle de les lions est rempli de la joie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce courant qui nous amène de merveilleuses choses. Et ici la Bible dit, il est un fleuve, j'avais démontré que ce fleuve-là, c'est le Saint-Esprit. Il est un fleuve, le Saint-Esprit. Un seul esprit qui est un fleuve, la Bible dit, dont les courants réjouissent la cité des dieux, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Le même esprit des dieux, mais qui a plusieurs courants. On a marqué les courants au pluriel et les courants. Donc, le même esprit, mais qui agit en plusieurs courants. C'est cela qui fait même la beauté de la spiritualité en Christ. Le même esprit, mais il a plusieurs courants. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler sur les courants spirituels. Prêtez-moi l'attention, soutenez s'il vous plaît. Excellent serviteur de Dieu. Et puis directement, nous commençons. On va faire 20 minutes, on termine, et puis 10 minutes, on prie pour ne pas vous déranger à ce que c'est la connexion. Quels sont les courants ici? Les courants donnent la joie. Les courants bougent la cité de Dieu. Les courants amènent la main de Dieu invisible à être rendue visible. Les courants déplacent les couloirs de la gloire, les corridors célestes.
Le courant rend visible l'invisible. Le courant permet l'expression de la gloire de Dieu sur la terre. Mais il n'y a pas un seul courant, il y a plusieurs courants. Et ces courants appartiennent au Saint-Esprit, les courants de l'Esprit. On doit comprendre les courants. Et les courants a plusieurs appellations, plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose. Dans d'autres versions, les courants, on parle des canaux. Les canaux, soit les canaux. Dans d'autres versions, on nous parle ainsi les canaux pour comprendre bien les courants. Regardez ce même test, psaume 46, le verset 4. Nous allons lire la version, la Bible de peuple. Regardons la Bible de peuple. Ici, dans cette version, on nous donne la lumière des courants. On nous explique autrement que ici, les courants, il s'agit bien de canaux. Waouh, laisse-moi lire la Bible du peuple. La Bible dit, un fleuve, ses canaux réjouissent la cité, sanctifient le demeure du Très-Haut. Un fleuve, très lignon, ses canaux, réjouissent la cité, très d'union, sanctifie le demeure du Très-Haut. Donc, lorsque la cité de Dieu, le tabernacle de Dieu, se réjouit en quelque sorte, le tabernacle de Dieu est sanctifié. Cette sanctification ici, ce n'est pas que le tabernacle de Dieu a été souillé pour qu'il soit sanctifié. D'ailleurs, la vraie expression ou le vrai sens de la sanctification, c'est être exclusif, c'est ça la sanctification, c'est être à part, c'est être mis à part, être consacré, c'est cela qu'on appelle la sanctification. C'est le même terme avec le mot saint. Cela veut dire être à part, être consacré, être exclusif. Alors, lorsque le fleuve est en mouvement, ses canaux, soit ses courants, donnent la joie au tabernacle des lions. Et le tabernacle des lions est maintenant sanctifié. Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu, pour nous. Lorsqu'on dit, Jésus dit prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire qu'il faut que le nom de Dieu soit sanctifié aux yeux de Dieu pour vous. Cela ne veut pas dire que le nom de Dieu est souillé, Dieu est saint. Mais par rapport à vous, par rapport à vous, au regard de Dieu, il faut que son nom soit sanctifié. C'est-à-dire, son nom ne soit pas comparé, son nom ne soit pas mesuré, son nom soit mis à part. Alors, lorsque le courant se manifeste, le tabernacle atteint la dimension d'exclusivité dans notre vie devant Dieu. C'est-à-dire aux yeux de Dieu, par rapport aux hommes, par rapport aux habitants de la haute spiritualité, par rapport à l'ensemble des Sion, le tabernacle commence à se démarquer, à être sanctifié, à se manifester. Je crois que j'ai expliqué. Mais ici, ce que j'ai compris, on nous parle les canaux. Donc, il y a des hommes canaux. Qui sont les hommes canaux? Ce sont les hommes courants. Il y a des canaux spirituels. Il y a des courants spirituels. Il y a aussi des canaux spirituels. C'est la même chose. C'est ce que je dois expliquer. Et dans d'autres versions, on nous parle des bras. L'autre version nous a parlé des ruisseaux. Dans d'autres versions, on nous parle des courants, le second. D'autres versions que je viens de parler, on nous parlait des canaux. Et il y a la version sémère, on nous parle des bras. C'est toujours la même chose.
La version semaine nous parle des bras. La Bible dit, il est un cours d'eau dont les bras régissent la cité de Dieu qui est la plus sainte de 2 mètres du très haut. Dont les bras du fleuve. Donc, les bras du fleuve, c'est les courants du fleuve, c'est les canaux de ce fleuve, c'est les ruisseaux de ce fleuve. C'est un fil conducteur par lequel la gloire de Dieu passe. Ce que j'ai aimé, canal, point de contact. Donc, pour que le Saint-Esprit se manifeste sur la terre, il a besoin des canaux, il a besoin des hommes canaux, il a besoin des hommes conducteurs, il a besoin des hommes bras. Des hommes bras par lesquels Dieu peut toucher plusieurs personnes. Il y a des hommes bras. Il y a des hommes canaux, il y a des hommes courants. Tout cela, ça fait partie du mystère de la spiritualité. Il y a plusieurs courants dans lesquels nous sommes appelés à comprendre. D'autres agissent dans le courant de la sagesse. Vous sentez vraiment que ça, c'est le royaume de la sagesse. Il y a d'autres qui agissent dans le courant tout simplement de la délivrance et vous sentez qu'ici les démons ne peuvent pas résister. Il y a d'autres qui agissent dans le courant de la sanctification. Vous sentez l'accent sur la sanctification. Il y a d'autres qui agissent dans le courant de la foi. Vous sentez la foi. Il y a d'autres qui agissent dans le courant de la puissance. Où vous sentez la puissance. Il y a même d'autres qui agissent dans le courant de la prospérité. Mais une chose, vous devez localiser quel est votre courant. Le même esprit, mais qui a plusieurs courants. Alors, lorsque le Seigneur vous a destiné pour opérer dans le courant de la puissance, cela veut dire que vous êtes créé pour régner, être brillé, vous brillez comme une étoile dans le courant de la puissance et que vous, vous n'êtes pas dans ces courants-là. Peut-être vous êtes dans l'autre courant de la sanctification, directement vous êtes perdu. Directement vous êtes perdu. C'est toujours le même esprit. Mais c'est le même Saint-Esprit agit différemment. Différemment. C'est cela la beauté. Mais il y a d'autres personnes qui ne supportent pas les autres courants. Ils veulent que tout le monde soit dans leur courant. Alors que le même Saint-Esprit agit dans plusieurs courants. Le problème, il faut rester dans votre courant. Et on va comprendre que c'est dans ces courants qu'on trouve l'ADN spirituel. C'est dans ces courants qu'on trouve les canaux. On trouve les bras. On trouve les têtes. Les têtes. C'est toujours le même sens. Alors, rapidement, on va lire Genèse chapitre 2. On commence déjà à avancer. Genèse chapitre 2. Le verset 10. Ici, on nous révèle ces courants-là, ou ces ruisseaux, ou ces bras, est appelé aussi dans l'autre. Dans d'autres sens, les têtes, soit la tête. Oh, donc il y a des hommes têtes. Lisons d'abord Genèse chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis dans la version Yeshua Mashiach. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé et devenait quatre têtes. Il s'est divisé et devenait quatre têtes. Donc, il y a des hommes têtes. Vous devez localiser les hommes têtes par rapport à votre génération. Vous devez localiser les hommes têtes par rapport à votre appel. Vous devez localiser les hommes têtes. C'est important. Et directement, je commence maintenant à avancer. Lorsque je lis la loi du premier mation à ce qui concerne le mot fleuve, j'ai trouvé quelque chose d'excitant dans lequel je vais partager avec vous. J'ai trouvé que c'est intéressant. C'est toujours dans le même verset que je viens de vous lire. Mais lisons cela dans Luc 2, Genèse chapitre 2, le verset 10. Ici, c'est pour la première fois que le mot fleuve au singulier est apparu dans la Bible.
ou soit que le mot fleuve est apparu dans la Bible. Et on va voir, selon la loi des premières mentions, ça nous donne le sens de ce qui va arriver dans la suite. Ça nous donne le profil, l'explication de ce qui va arriver dans la suite. Donc, lorsque Dieu parle du fleuve, on va voir, c'est là ici, le sens du fleuve ici. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 10, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé à quatre bras. Dans d'autres versions, on parle des têtes, d'autres ruisseaux, d'autres canaux, d'autres bras. Là, mais ce qui m'a beaucoup touché, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Oh! Mais le jardin est en Éden. Mais ce jardin n'est pas arrosé. Un fleuve sort d'Éden pour arroser les jardins. Il s'agit de quel Éden que ce fleuve sort pour arroser maintenant les jardins? Et c'est quoi ce fleuve-là qui arrose les jardins? Et ce fleuve-là se divise à quatre bras, à quatre courants, à quatre têtes. Et lorsque ce fleuve commence à arroser les jardins, ce fleuve amène des minéraux, ce fleuve amène des trésors, des chrysolites, des diamants, des topazes, toutes sortes de minéraux. Et le jardin est arrosé par des minéraux que ce fleuve a amenés. Le fleuve a amené le minéraire, mais pour que le minéraire, le trésor, arrive à arroser les jardins, il faut que le fleuve se manifeste à travers les courants, à travers ses courants. C'est à travers ses courants que le fleuve arrive à arroser les jardins pour l'embellir. D'autres personnes disent, moi, c'est le mal du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, c'est le mal descend directement en toi, alors que dans le protocole de Dieu, il y a des hommes et bras par lesquels Dieu agisse pour les utiliser. Il y a des hommes canals par lesquels Dieu passe pour communiquer. Il y a des hommes ruisseaux, des hommes qui étaient de ruisseler, de naviguer pour atteindre le monde. Il y a des hommes courants. C'est à cela que cache la haute spiritualité. C'est à cela que cache la manifestation de Dieu. Le jardin, c'est l'image de l'Église. C'était dans le jardin que Dieu venait chaque soir pour rencontrer l'homme, partager le plaisir. C'était le lieu de culte, c'était l'Église, c'était l'assemblée des dieux. Dieu, l'homme, venait chaque matin, l'homme, la femme et Dieu. L'Église est embellie lorsque les hommes courants se manifestent à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Le réveil arrive par des hommes bras. La puissance de Dieu touchera l'Église, touchera des nations lorsque les hommes canaux, les hommes bras, les hommes têtes s'élèvera. Mais le diable a fait de sorte que les hommes bras soient mal vus. Des hommes bras perdent leurs pédales. Les hommes bras, des hommes ruisseaux, des hommes courants perdent leur mission pour que le jardin de Dieu ne soit pas embelli par des trésors qui viennent du fleuve de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul arrive, il lui dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, c'est quel Saint-Esprit que vous parlez? Il ne savait même pas qu'il y a un mot qu'on appelle Saint-Esprit. Directement, il leur pose la question, de quel baptême avez-vous reçu? Il dit, le baptême de Jean-Baptiste.
des hommes qui expliquaient Jésus, comme Apollos. Ils parlaient de Jésus, mais ils ne pouvaient pas parler de Jésus avec exactitude parce qu'il était limité seulement au baptême des gens. Il était dans l'ancienne série, alors qu'on est dans la nouvelle série. C'est pourquoi il pouvait parler de Jésus, mais pas avec plus d'exactitude, pas avec la perfection. Il fallait que des gens qui ont été en contact avec les hommes courants, qu'ils l'expliquent exactement, plus exactement de Jésus. L'apôtre Paul leur pose la question, ceux qui étaient dirigés, coachés par Apollos, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais de quel Saint-Esprit s'agit? De quel Saint-Esprit il s'agit? Ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Mais ce que j'ai aimé, ces hommes, cette bande de personnes avaient le sens de l'humilité et de la reconnaissance. Ils ont pu reconnaître, non, l'apôtre Paul, c'est un homme bras, c'est un homme ruisseau, c'est un homme courant par lesquels nous serons embellis. Et la Bible dit, l'apôtre Paul les a imposé les mains. Dit d'un coup, ils ont parlé à langue, voilà, le jardin est embelli. Ils ont prophétisé, voilà, le jardin est embelli. Ils étaient enflammés, voilà, le jardin est embelli. Ils commencent à rire, voilà, le jardin est embelli. Aujourd'hui, des choses qui arrosent les jardins sont qualifiées comme de la magie, sont qualifiées comme des choses de la médiocrité. J'ai vu même certains pasteurs en train de critiquer le rire dans l'esprit, l'onction d'allégresse, ils critiquent ça. Les hommes de Dieu critiquent, ils disent c'est quoi ça, c'est quoi ces choses-là? Oh là là, oh là là. Oh là là, il y a des hommes courants de charisme, des hommes courants de feu. Quand ils arrivent, vous êtes enflammés. Quand ils arrivent, vous êtes impactés. Quand ils arrivent, vous êtes vibrés. Chaque courant est appelé pour embellir l'église. Le courant de la sagesse, embellit l'église par la sagesse. Le courant de la sainteté, embellit l'église par la sainteté. Le courant de la puissance, embellit l'église par la puissance. Le courant de la révélation, embellit l'église par la révélation. Le courant de la prophétie, embellit l'église par la prophétie. Le courant de la doctrine, de l'enseignement, embellit l'église par l'enseignement. Le courant de l'expérience aussi, de la connaissance, embellit l'église par la connaissance. Tout cela fait la beauté de l'église. Mais vous allez remarquer que je vais beaucoup plus parler de la gloire, parce que c'est ça ma classe, c'est ça mon élément, c'est ça ma mission en fait, c'est ça mon courant, la gloire et la puissance de Dieu. Donc nous voyons quelque chose de importante à retenir ici. Pour la première fois qu'on parle des fleuves, on voit l'action d'arroser à travers ces courants qui sont ces canaux, ces bras, ces têtes, ces ruisseaux. Donc, lorsque il y a le fleuve que j'avais expliqué, qui est le Saint-Esprit, l'onction des dieux, cela veut dire l'onction intérieure, le Saint-Esprit qui nous guide. Il faut retenir que cela aura de l'importance que lorsque ce fleuve-là commence à arroser, pour la première fois que Dieu parle de fleuve, on voit l'action d'arroser. Mais le fleuve arrose à travers ses courants, à travers ses canaux, à travers ses bras. Chacun doit faire sa part. Donc, un seul fleuve, mais il agit à travers ses courants, à travers plusieurs courants. Le même Esprit de Dieu, mais qui agit et qui opère à travers plusieurs courants. Donc, les courants du fleuve
où le courant de l'esprit permette que la cité de Dieu soit dans la joie. Grâce à ce courant que les habitants du Très-Haut, ceux qui vivent dans la cité de la haute spiritualité, appelée Sion, va expérimenter maintenant la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a la famille céleste, il y a l'ensemble de premiers-nés, les rachetés de Jésus. Il y a ce gouvernement de Sion, déjà appelé à vivre la haute spiritualité, à vivre dans le style du ciel sur la terre, à palper, à rester dans l'atmosphère de la gloire. Mais ces gens-là, cette famille-là, ces peuples-là ne pourront pas expérimenter ces vagues de la gloire aussi longtemps que les courants des fleuves ne se manifestent pas. Il faut que les courants des fleuves soient en mouvement pour que les tabernacles de Dieu se réjouissent, les habitants du Très-Haut. Voilà pourquoi Jésus avait dit, on battra les bergers et les brebis seront dispersés. Le diable attaque des hommes leaders, des hommes têtes, des hommes courants, des hommes bras, des hommes canaux, pour qu'il n'y ait pas la joie dans la cité de Dieu. Il y a les habitations du Très-Haut. Il y a des hommes qui demeurent dans la gloire. Il y a des hommes qui vivent dans les camps de Dieu. Et cette assemblée-là de Sion, c'est une cité réelle, une cité qui existe réellement. C'est une cité réelle. C'est là où on reçoit des révélations. C'est là où on décortique le mystère. C'est là où on amène les vagues, des nouvelles vagues. C'est là où il y a des bruits, des ondées qui libèrent les cataractes du ciel, la pluie du ciel. C'est ça l'état-major de l'Esprit de Dieu. Parce que la force d'une armée ne réside pas seulement par la qualité des armes, mais surtout par son état-major, l'intelligence pour l'armée. C'est pourquoi lorsque l'armée de l'ennemi arrive tout simplement à voler les plans de la guerre, vous êtes perdus. Peu importe vos armes, vous êtes perdus. Parce que la victoire, c'est par rapport au plan de la guerre. Et ceux qui établissent les plans de la guerre, on les appelle des états-majors, les hauts conseils. Il y a l'état-major, les hauts conseils du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le directeur de tous les programmes de Dieu sur la terre. Mais dans les hauts conseils, les hauts conseils, la haute spiritualité, l'état-major du Saint-Esprit, dans cette assemblée des Sion, il y a des courants, il y a des hommes courants qui captent cela pour l'amener sur la terre, qui nous révèlent des choses. Et quand ces choses sont révélées, la gloire de Dieu commence à se manifester. En 2008, lorsque le Seigneur nous a ravis en esprit, nous avons vu la réalité du tabernacle réel de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que le tabernacle de Dieu est construit. Comment est-ce que le tabernacle de Dieu est construit, le véritable tabernacle. On a vu dans la vision le sang venait de la montagne de Golgotha. Et le sang a commencé à descendre au Congo. Plus le sang descendait, ça coulait. Et puis le sang... le sang avait rempli la terre du Congo. Et directement, j'ai dit au groupe qui m'accompagnait, travaillons la terre, labourons la terre. Et on a commencé à labourer la terre qui est remplie du sang précieux. Et quand on a labouré la terre, directement, le sang s'est fait de boules cristal, des gros boules cristal. Et on a pris ces boules cristal, on a mis de côté par l'ordre du Seigneur Jésus lui-même. Et d'un coup, j'ai vu encore. C'était la vision que mon petit frère avait vue. À l'époque, il avait 12 ans.
Alors, quand le sang est devenu des boules cristal après avoir travaillé. Donc, il faut travailler le sang de l'agneau. Il faut travailler sur la rédemption. Il faut travailler sur ça pour que le sang commence à libérer sa richesse. En fait, ça devient des boules cristal. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un fleuve limpide comme cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Et il y avait des boules de cristal, et puis directement, j'ai vu le feu descendre du ciel. Le feu a consumé ces boules de cristal, et ces boules de cristal sont devenues de l'or pur, de l'or qui n'existait pas sur la terre. De l'or pur, raffiné, de l'or pur. C'est pourquoi j'ai compris, la Bible dit, quand ce fleuve a arrosé les jardins par ses quatre bras, il y avait de l'or pur. C'est la spiritualité. Parce que nulle part vous allez voir ce fleuve-là, nulle part. Nulle part. Bien qu'on a cité des noms de fleuves, Euphrate et tout ça, mais nulle part, on ne le voit pas. Ce fleuve-là qui se divise à quatre branches, on ne le voit pas. C'était le fleuve spirituel, mais qui agit dans le physique. Et le feu est descendu du ciel. Et parce que le feu était descendu du ciel, les boules cristal sont devenues de l'or massif. Et cet or-là s'est fait la forme du tabernacle qui brillait tellement. Et puis, nous allons voir encore pour la deuxième fois, le deuxième goût du sang. Le sang va couler encore de la montagne pour descendre cette fois-ci sur l'autel. Et le sang avait la forme d'un homme. C'était le sang solide comme une statue. Solide comme la chair. Et j'ai compris que la chair de Jésus, c'est son sang. Le corps de Jésus, c'est vraiment son sang. Quand il a dit, j'ai donné mon sang, il a donné son corps. Il a donné son corps. Et le sang a pris la forme vraiment d'un corps solide. Et quand le sang a pris la forme d'un corps d'un homme sur cet autel, et puis, le feu va descendre pour la deuxième fois. Quand le feu est descendu pour la deuxième fois, nous sommes à 2000, une grande vision sur la gloire. Et le feu a consumé ses sacrifices, ses corps de sang. Oh Jésus, son corps est que le sang. C'est le corps fait de sang. Calabrosé. Quand le feu a consumé ses corps, il y avait la fumée blanche qui s'est dégagée de ses corps et ça montait au ciel, tout blanche. Et cette fumée dégageait l'odeur très agréable, l'odeur qu'on n'a jamais sentie, l'odeur insupportable dans la beauté, l'odeur odoriférante, très agréable. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 2, Dieu savait déjà le mystère du corps, le mystère de la pâte. Il disait, mais donnez-moi l'offrande de farine pétrie d'huile, brûlez cela dans le feu, l'offrande des galettes, c'est pour moi une chose très sainte. Dieu parlait déjà du corps de Jésus, son sang formé du corps. Voilà pourquoi Jésus dit dans Hébreux chapitre 9, dans les rouleaux de livres de vie, il est question de moi, c'est pourquoi tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus a été formé, c'est le sacrifice de Dieu pour nous. C'est à cela qu'il y a le mystère du parfum. C'est à cela qu'il y a le mystère de l'exorcement. C'est à cela que le cœur de Dieu est satisfait totalement. C'est à cela qu'il y a l'offrande de la prière. C'est à cela qu'il y a le parfum de la prière. Lo karabo shake. Quand le feu a consumé ce corps plein du sang, fait du sang, que du sang de l'agneau. La fumée blanche, elle s'est dégagée et il y avait l'odeur très agréable. À partir de cette odeur-là, le monde entier venait voir la gloire de Dieu au Congo. On avait mis des écrans géants partout. Toute la terre venait au Congo. Lorsque le Seigneur nous a montré, nous a révélé cette vision de la gloire de Dieu,
Deux jours après, dans la parcelle où nous étions, on a senti l'odeur très agréable remplir la parcelle toute la soirée. On ne comprenait pas d'où vient cette odeur de galettes. On n'a jamais senti cette odeur de farine comme ça. Oh, ça sent tellement bon. Mon père même, il était étonné. Oh, ça sent bon. Oh, on a même sorti dans la rue. C'était 23h. On regardait, on brûlait ça où? Dans la rue, il n'y avait pas de l'odeur. On rentre dans la parcelle parce qu'à l'époque, l'église Porte de l'Orient était dans la parcelle familiale. On rentre dans la parcelle, on continue à sentir cette odeur. Cette odeur, on a resté de 23h jusqu'à 10h. On n'arrivait pas à bouger. Nous sommes rentrés dans la maison. C'est par après que le Seigneur va me dire, Noah, rappelle-toi de la vision que ton petit frère Francis avait fait sur l'autel dédié au Congo. C'était l'odeur qui s'est dégagée et les gens venaient de partout. C'est le signe de ma gloire sur ta vie. À chaque fois que tu déclareras cette odeur, cela arrivera. Parce que c'est un signe de l'alliance pour ma gloire. Afin que les gens voient ma gloire. Oh, des choses que nous voyons, ce n'est pas de par hasard, c'est un miracle de la gloire de Dieu. Et depuis lors, on sentait l'odeur des farines, l'odeur de l'huile, on sentait l'odeur et beaucoup sont guéris lorsque ces odeurs commencent à se révéler partout, partout. Même dans la croisade, on venait de faire, oh, j'ai déclaré, on va sentir l'odeur de l'agneau brûlé pendant que je prêchais. Waouh, l'odeur de l'agneau brûlé a rempli le terrain, a rempli le terrain. La gloire était tellement intense. Voilà le mystère de la gloire. Et plus tard, la gloire a grandi. Nous avons maintenant expérimenté la fumée blanche dans mon ministère. Et plus tard, la gloire a grandi. On commence à expérimenter la rosée comme la pluie. Ce que nous avons vécu à Kipese là-bas. Tout ce que Dieu avait parlé commence à arriver. Donc, je révélais tout simplement le mystère des courants qui nous amène à entrer dans la gloire de Dieu. Je dis qu'il y a les habitations du Très-Haut, des hommes qui demeurent dans la gloire de Dieu, des hommes qui habitent dans les camps de Dieu, les hommes qui font partie de l'assemblée de Sion, c'est une cité réelle. C'est par là que je termine aujourd'hui. Et puis nous allons continuer l'autre fois. Vous allez voir jusque-là, je n'ai pas encore touché le courant. On commence à entrer petit à petit dans le courant, mais on n'a pas encore volé pour percer le courant. Et je vous dis que la gloire de Dieu est sur le point de descendre dans la vie d'une personne qui est en train de me suivre. Il y a la présence de Dieu qui commence déjà à saisir des personnes. Parce que les choses que je viens de dire, son esprit et vie. Regardez avec moi Hébreux. On va lire Hébreux, chapitre 12. On nous parle de cet ensemble de Sion, ce qui appartient dans le tabernacle des lions. C'est une réalité. Il y a des hommes qui viennent de cette cité-là. Il y a des hommes qui résident dans cette cité-là. Il y a des hommes qui prennent part à cette cité-là. Ils vivent dans cette cité-là. Et ils manifestent la gloire de Dieu. Si les sorciers peuvent aller dans des réunions occultes qu'on appelle des deuxièmes mondes, mais vous le voyez comme ça, mais la nuit, ils volent comme ça. Il n'est pas là, il a déjà volé pour assister à des réunions et commencer à exécuter des programmes pendant la journée. Est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas expérimenter de l'expérience d'entrer dans l'assemblée, dans le camp de Dieu, de vivre dans cette atmosphère de Sion? C'est possible. Parce que la Bible dit là où il est, nous sommes là. La Bible dit qu'il nous a transférés dans le royaume de la lumière. La Bible dit qu'il nous a amenés loin au-dessus des autorités
de principautés et de princes de ténèbres. Oh, la cité céleste existe. Ce n'est pas seulement lors de l'enlèvement. Maintenant, cette cité est disponible. Que Dieu te fasse grâce d'entrer là-bas. Les hommes qui viennent de lieux plus hauts. Les hommes qui viennent de hauts lieux. Quand ces hommes-là descendent, c'est la garnison des prophètes. Avec des tambourins, dès que tu les rencontres, l'esprit tombe sur toi. Et ce que Dieu avait mis en toi est activé. Samuel a dit à Saoul, tu vas rencontrer des hommes qui vont au cimetière, ne les saluez même pas, va plus loin. Tu rencontreras les hommes qui viennent des temples de Bethel, ils viennent de la maison de Dieu de Bethel, ils te donnent le pain et le vin. Prends cela, mais ne restez pas là, tu n'as pas besoin. Alléluia, des hommes, alléluia, des hommes qui vont plutôt au Bethel. Non, tu as besoin des hommes qui, pas des hommes qui cherchent à aller, mais des hommes qui viennent déjà de là. Alors tu peux aller, de là tu iras plus loin. Tu iras plus loin jusqu'à ce que tu vas rencontrer un groupe de personnes. Tu vas les reconnaître par la manifestation de l'esprit. Ils sont là, agités par l'esprit. Ils dansent. Ils sont là, ils vibrent par l'esprit. C'est la garnison des prophètes. Quand tu vas rencontrer un prophète, ce n'est pas seulement celui qui est prophète, qui donne des paroles de connaissance. Un prophète, c'est une personne que Dieu a suscité pour une génération. C'est une personne qui a un mandat de Dieu. C'est un messager de Dieu. C'est une personne qui arrive pour représenter Dieu, représenter Jésus sur la terre. C'est un prophète. Quand tu vas rencontrer ce courant-là, l'esprit te saisira. Tu deviendras un autre homme. C'est à cela que l'onction que tu avais reçue sera manifestée. La plupart des personnes, leurs onctions sont encore inertes. Leurs onctions dorment encore, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais rencontré les hommes courants. Ils n'ont jamais croisé des hommes courants. Et je vous dis que la cité céleste, l'assemblée des Sion, les habitations du Très-Haut, c'est une réalité. Les gens qui demeurent dans la gloire, les gens qui habitent dans les camps de Dieu, les gens qui restent dans le règne de Dieu, c'est une réalité. Lisez avec moi avant de clôturer. Hébreux chapitre 12, et puis je dois démontrer ici, et puis je termine. Je prie pour vous. Hébreux chapitre 12, on va lire Hébreux chapitre 12, verset 18 à 21. Hébreux chapitre 12, verset 18 à 21. La Bible nous dit ceci. Car vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on touche avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni de la ténèbre, ni de la tempête. Ici, on nous parle de la montagne de la loi, la Sinaï. Et la Bible dit, ni du retentissement de la trompette, ni des sons des paroles au sujet duquel ceux qui l'entendent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moshe dit, je suis extrêmement effrayé et tout tremblant. La Bible dit, nous ne sommes pas approchés de cette montagne-là terrestre. Alors, maintenant, le verset 22, c'est ici que nous sommes. C'est ici que nous sommes. Donc, il est en train de parler des choses réelles. Il y a un peuple, le peuple d'Israël, ils étaient sous la montagne de Sinaï, c'était une réalité, il devait être convoqué là-bas. Il tremblait, même Moïse lui-même avait peur de la mort. Là où il y a peur, là où on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'écouter Dieu, parce que c'est effrayant, c'est la table de la mort, c'est la loi. Mais la Bible nous parle d'une approche qui est aussi autant réelle que l'approche du peuple d'Israël à la montagne de Sinaï. Et nous, le peuple, les enfants de Dieu, sauvés par la grâce, rachetés par le sang de Jésus,
nous aussi, nous sommes invités à s'approcher dans une cité qui est aussi réelle comme la montagne de Sinaï qui était réelle. Dieu nous parle des choses réelles qui se passent. Alors, le verset 22, la Bible dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Quelle est la montagne de Sion? De la cité d'Élohim vivant, de Yerushalem céleste, pas de la terre, d'une multitude innombrable des anges, du rassemblement des fêtes publiques et de l'assemblée de premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel d'Élohim qui est le juge de tous. Et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. De Yehoshua qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle des choses plus excellentes que celui d'Abel. Voilà la cité dans laquelle nous nous approchons. Quand on dit on s'approche par l'esprit, nous sommes des esprits. Et quand on s'approche dans l'esprit, on s'approche dans quelque chose de plus réel que le soleil, que la voiture, que tout ce qu'on voit. Des choses spirituelles sont aussi plus réelles que tout ce que nous voyons. Plus réelles. Plus réelles d'ailleurs, c'est de l'invisible que les visibles sont affrontés. C'est de l'aspect. De la spiritualité que le physique est affronté. Voilà la montagne dans laquelle nous nous sommes appelés à s'approcher. Voilà notre cité où le chrétien est appelé à accéder. Le chrétien sont appelés à accéder. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne connaissent même pas des choses ici. Que la Bible nous appelle d'assister, d'aller là-bas. Dans cette cité, le tabernacle des lions, je vous avais dit, le tabernacle en réalité n'est pas pour Dieu. Dieu fait le tabernacle pour demeurer. Or, Dieu ne demeure pas par lui-même. Il demeure lorsqu'il a une assemblée. Il demeure lorsqu'il a des esprits. C'est à ce moment-là que Dieu demeure. Le lieu très saint, ce n'est pas pour Dieu. Le lieu très saint a été fait pour les hommes, afin que les hommes participent à la gloire de Dieu. C'est par là que Dieu a fait le lieu, le tabernacle. C'est pourquoi la Bible l'appelle le lieu des rencontres. Rencontre de qui? Rencontre de divin et l'humanité. Rencontre de Dieu et les hommes. C'est pourquoi on parle des habitations du Très-Haut. Les habitations du Très-Haut. La cité céleste, des hommes qui demeurent dans le camp de Dieu. Un jour, Jacob a vu ce camp-là. Il dit, ça, c'est le camp de Dieu. Un jour, Jacob a accédé dans cette dimension-là. Il dit, ça, c'est Bethel, la maison de Dieu. Il a vu la maison. Ce n'était pas physique, mais il était entré dans la spiritualité. La gloire était là. Et plus tard, ils ont bâti le temple dans le même lieu. Ce n'était pas par hasard. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là, Abraham avait déjà préparé le terrain pour qu'il soit dans la spiritualité en plantant les tamaris. Ce lieu-là, c'était la cité de Beersheba. C'est là où Dieu a rencontré Isaac. Et Isaac était sorti vainqueur. C'est là où Dieu a rencontré Jacob. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. Le lieu de la spiritualité existe sur la terre. Mais ce n'est pas terrestre. Ça veut dire, sur la terre, il y a la possibilité d'accéder dans la cité céleste. Tu es sur la terre, tu entres directement, tu es emporté. L'avion qui nous amène au ciel n'est pas du ciel, c'est de la terre. C'est à partir de la terre que tu vas monter. Pour aller au ciel. Tu ne vas pas prendre de l'ascenseur. Oh, après tu entres dans l'avion. Non, ici pour monter. Tout commence ici. Et puis tu montes. Tu montes. Tu connais l'ascension. L'élévation dans la gloire. C'est à cela que Dieu nous appelle à accéder. Dans cette cité, nous voyons quatre dimensions ici. On voit quatre dimensions dans cette cité. Premièrement, on nous parle de la montagne de Sion.
Nous sommes approchés de la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? D'abord, retournons. Pourquoi Sion? Sion, c'était la cité de David. Et dans cette cité, David avait établi une montagne. Cette montagne-là de Sion. David avait établi des chantres par plusieurs familles, par plusieurs classes, plusieurs écoles de chantres. Et David a élargi l'adoration en mettant plusieurs sortes d'instruments. Et là-bas, on faisait que louer, chanter 24 sur 24. C'était à Sion. David avait le cœur pour Dieu. Il avait vu la cité céleste, David. Il a vu la gloire de Dieu, David. Il voulait représenter cela sur la terre. Voilà pourquoi il avait établi des familles, qu'on parle des familles de Corée, toutes sortes de familles, c'était des Lévites. Ils faisaient que chanter. Ils étaient ouais pour ça, qualifiés pour ça. Et ce qu'ils chantaient, ce n'était pas des chansons, c'était des cantiques. Cela veut dire des chants inspirés, des chants spirituels, des enseignements. C'était des méditations, c'était des rythmes spirituels, c'était des paroles prophétiques. Et ouais. Et quand ils chantaient cela, la gloire de Dieu était tangible sur cette montagne de Sion. C'est la montagne d'adoration, de célébration. C'est la cité des rois des rois. Là où règne l'atmosphère de Dieu. Notre atmosphère, c'est l'oxygène. Mais l'atmosphère de Dieu par rapport aux hommes, c'est la gloire. Dieu respire dans la gloire. Or, l'adoration active la gloire. Si nous regardons aujourd'hui, nos musiques sont chantées dans des boîtes de nuit, rien ne se passe. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas l'esprit d'adoration. Il n'y a plus de cantique. Le cantique, ça ne s'inspire pas. Le cantique ne pourrit pas. C'est comme la manne qui est dans le lieu très saint. Ça ne périt jamais. De génération en génération, ça ne peut pas périr. C'est pourquoi on chante toujours Dieu Tout-Puissant. On chante gloire à l'agneau. On chante merveilleux. On chante croix seulement. Des cantiques qui a traversé des âges. Ça ne pourrit jamais. Parce qu'il a l'atmosphère de la gloire. C'est, ça vient du règne de l'esprit. Vous ne pouvez pas mettre des cantiques dans des bars et les gens soient tranquilles. Ils seront touchés par la conviction du péché. Et aujourd'hui, c'est commercialisé. La gloire est partie. On n'est plus dans la Sion. Nous sommes plus dans la Sion. Or, l'église fait partie de la Sion véritable. La Sion véritable. Ils chantaient. Oh, un jour, le Seigneur m'a amené dans le temple du ciel. J'étais étonné. J'ai monté. Je suis arrivé devant un portail. Un portail plutôt. Ce portail s'ouvra et directement je suis entré dans ce temple. Comme si on m'a poussé. Je suis entré dans ce temple. Mais ce que j'avais vu, ça m'avait étonné jusque-là. Je n'ai pas compris. Il n'y avait que des sables dans ces tables-là. Il n'y avait pas de pavement. Mais c'était compliqué. Alors je venais de comprendre ça plus tard. Mais quand mes pieds ont touché ces sables-là, c'était une vibration que je n'ai jamais expérimentée. C'était des fibres, c'était de l'électricité, c'était de l'amour, c'était de la gloire, c'était effervescent, c'était très fervent, c'était vraiment enflammé. J'ai tremblé, mes dents tremblaient, tout mon corps, les fibres passaient de partout, les fibres, quand seulement mes pieds ont touché le sable de ce temple-là. La gloire, il y avait de fumée. La gloire était intense. Et après des années, j'ai compris. C'est ça ce qu'on appelle la terre sainte. La terre sainte, ce n'est pas ici sur la terre. C'est pourquoi j'avais vu l'image des sables pour dire que tu es dans la terre. Tu es dans la terre sacrée. Tu es dans les temples de El Elyon. Tu es dans le tabernacle véritable. Et à partir de ce jour-là, je commençais à expérimenter l'onction électrique. Il y a
mystère ici, mais maintenant, nous sommes appelés à expérimenter non seulement la montagne de Sion terrestre où il y avait la gloire dans l'époque de David. Rappelez-vous de Josaphat. Il avait rassemblé les chantres de Sion. Quand les chantres chantaient seulement, la prophétie est sortie. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses prophètes, vous réussirez. Parce que les chantres chantaient. Ils ont mis les chantres en avant-plan. Ils étaient derrière avec leurs armes. Ils ne se confiaient pas dans leurs armes, mais ils se confiaient par l'arme de l'adoration, par l'atmosphère de Dieu, la gloire. Il fallait que ceux qui provoquent cette atmosphère soient là. Les transporteurs de la présence de Dieu. Quand les transporteurs de la présence de Dieu se manifestent, Dieu commence à élever ses serviteurs. La Bible dit trois grandes armées qui étaient des grandes puissances à l'époque. Ils étaient si nombreux et on ne pouvait pas compter leur nombre. C'était comme le sable de la mer. Ils étaient venus pour détruire le royaume de Juda. Ils étaient là pour détruire le royaume de Juda. Les rois pleuraient et la parole est sortie. La parole est sortie. Ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est moi qui vais combattre pour toi. Regardez seulement ce qui va se passer. Pendant que les chantres chantaient, la Bible dit Dieu les a mis en confusion. Toutes les trois armées, la Bible dit Dieu les a aidés à se détruire l'un contre l'autre. Dieu les a donné la force pour se détruire entre eux. Ils étaient tous exterminés. Quand ils sont arrivés là-bas, c'était dans la vallée. Ils ont trouvé que des cadavres. Des cadavres innombrables. Plus de 20 000. La Bible dit, ils ont pillé la richesse pendant 3 jours. Ça ne s'épuisait pas. Là où on devait les détruire. Maintenant, ils commencent à puiser la richesse. Parce que l'atmosphère de la gloire était si intense. Le réveil a besoin de l'atmosphère de gloire. Or, le signe authentique du réveil, c'est la musique. Si vous voulez savoir que le réveil est dans votre église, dans votre pays, dans votre nation, regardez les musiciens. Ce que je vous dis, j'ai toujours dit ça aujourd'hui, c'est plus de 2 décennies, je l'ai dit ça et on commence à le voir. J'avais dit le thermomètre du réveil, c'est la musique, c'est le chant. Regardez la musique, vous allez savoir si vous êtes dans le réveil ou pas. J'avais annoncé que le réveil au Congo avait pris fin lorsque le Congo a accepté Makoma. Lorsque l'église, pas le Congo, l'église accepta les Makoma. C'était le signe que le réveil a fait sa courbe en bas. C'était le déclin du réveil. Hier, j'avais dit à 1996 ou 96, mais ma femme m'a expliqué, ce n'était pas en 1996, en plus c'était en 1999, à 1999. Et observez, à partir de 1999, le réveil commençait déjà à prendre fin. Mais ça continuait parce que c'était tellement un réveil fort. C'est comme le ventilateur, l'électricité est partie, mais ça continuait à rouler. Mais maintenant là, par tout ce que nous sommes en train de voir, le réveil est fini. Nous devons chercher le réveil. Le réveil veut dire Chaya. Chaya veut dire restaurer la vie. Chaya veut dire ranimer la vie. Chaya veut dire souffler la vie afin que le fils d'Adam devienne le fils de Dieu. Chaya, c'est le vent nouveau. On a besoin de retourner dans le réveil. Le réveil ne viendra pas comme un cadeau. Il faut qu'il y ait des déclencheurs du réveil spirituel. Je parle de la cité de Dieu dans laquelle où les saints peuvent demeurer là-bas. Sion. Et dans le ministère de Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, il avait aussi la révélation de Sion, Simon Kimbangu. Cet homme-là était un homme très spirituel. Il vivait dans la haute spirituelle. Donc cet homme-là a vu des choses. C'est pourquoi il a représenté cela sur la terre. On nous parle dans l'histoire de Simon qui mort. C'est pourquoi maintenant je comprends des choses parce que je suis en train de parler. Lorsque j'ai vu parler sur le tabernacle des lions, on va comprendre. Je termine par là. Ce prophète ici,
Il fait partie des prophètes de l'Afrique. Il a commencé seulement, il a fait seulement dans son ministère, il a seulement fait le ministère de 3 mois. Et on l'a arrêté plus de 30 ans, de 1921, de 1920 à 1951, il était mort. Il a fait seulement 2 à 3 mois de l'évangélisation, des miracles ainsi de suite. On l'a arrêté par des blancs. C'était pendant l'époque coloniale. On l'a arrêté durant 30 ans. Il mourra en 1951, je crois. Juste 3 mois seulement, le monde a bougé, l'Afrique a bougé. C'était le vent que Dieu avait relâché en Afrique. Le prophète Simon Kimbang au Congo et l'autre prophète à Nigeria, prophète Baba. À Nigeria là-bas, Joseph Baba, je crois. Et toujours dans les mêmes vagues là, aux États-Unis, c'était à sous-instruit. Regardez, c'était toujours dans de même génération. Il y a toujours des vagues, de même génération. L'Afrique avait connu un grand réveil aussi. Et cet homme était serviteur de Jésus. Il a reçu la grâce, il a reçu ce qu'on appelle l'onction patriarcale. Cette onction patriarcale, tu n'as même pas besoin qu'on te prêche Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir un père. Tu as l'onction patriarcale, l'onction qui couvre une dispensation, qui couvre une génération. C'est comme Moïse à l'onction patriarcale. C'est comme Paul, qui est le père de Paul. Il a l'onction patriarcale. C'est comme Tibios, on a combattu Tibios à pour rien. Il a l'onction patriarcale. Ça existe. Ça existe. Et Simon Kimbangu, je comprends qu'il avait l'onction patriarcale. Il vient simplement des catholiques comme servant. Directement, il commence à parler de Jésus. Directement, des miracles. Directement, il commence à annoncer la libération. Mais dans son ministère de 2 mois là, il a imposé le système de Sion. Il a établi des chantres là-bas. Il avait fait une tente qu'il appelait lui-même tabernacle. Et dans cette tente-là, il avait 4 bâtons. 4 bâtons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Cet homme était prophétique exactement comme le tabernacle qui était placé au nord, au sud, au est, à l'ouest. Le tabernacle était au centre, au milieu. La spiritualité existe. Jésus-Christ, c'est le Dieu de toutes les races. C'est pourquoi même dans son église, le nom n'a pas changé. C'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbang. Ça n'a pas changé. Il parlait de Jésus. Il met 4 bâtons et il y avait des gens qui chantaient. Et ces gens-là qui chantaient, là, ils prophétisaient aussi. On les appelait des Ngunza. Tous ceux qui étaient là, ils avaient une grande dimension prophétique. C'est pourquoi au Bas-Congo, il y a une grande température, grande dimension prophétique là-bas. Vous sentez, il y a la gloire de Dieu. Dans certaines montagnes, vous entrez, vous sentez que ces montagnes ont été touchées par le surnaturel. Là où le surnaturel a traversé, ça reste toujours des traces. Là où l'onction a passé, là où la gloire descendait, il y a toujours des choses qui restent. Qui reste. Quand ce chantre-là chantait, il chantait à Kikongo, il chantait des cantiques pour Jésus. Il faisait des tours partout, 24 sur 24, il faisait que chanter. Et lui, le prophète Simon Kimbang ne sortait pas. Il restait toujours là dans la tente. Il devait manger là dans la tente. Il restait là dans la tente. Il ne disait aussi rien. Il était seulement là dans l'attente. Et quand il sort, les étincelles commencent à avoir visiblement, on voit des étincelles. Un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il y avait une femme qui était morte. Et maintenant, on devait l'amener à Kamba là-bas, là où se trouvait le prophète.
pour qu'on puisse prier pour elle. Mais oh, dans le chemin, il était mort. Et elle était morte, mes excuses. Et du coup, ils ont fait 3 jours en chemin. Et arrivé là-bas, c'était presque 4e jour. Et on a mis le cadavre simplement là-bas. Là, les chanteurs chantent 24 sur 24. Ils chantent, ils chantent. Ouh, carébrosata. La spiritualité existe. Hein? Il ne faut pas toujours condamner oh, les kimbangistes et les kimbangistes. Non, restez dans les bons côtés aussi. Restez dans les bons côtés aussi. L'air cantique, vous voyez vraiment que non, ça c'est une onction gouvernementale. Ils ont leur propre musique, ils ont leur propre symphonie musicale, ils ont leur propre façon de tam-tam. Waouh! Pendant qu'ils chantaient et priaient directement, c'était l'heure où l'homme de Dieu devait sortir, le prophète. Quand il sort de sa tente, des étincelles commencent à apparaître dans les airs. C'était comme des coups de tonnerre. On voyait cela. Il y avait des vents visibles. Il arrive devant le cadavre. Il met seulement son bâton sur le cadavre. La femme a ressuscité. C'était la résurrection. Pourquoi cela? Le Seigneur a commencé à m'expliquer. C'est ça, Sion. Demeurer dans l'atmosphère de la gloire. Et maintenant, ici, on nous parle. Nos esprits ont besoin d'accéder dans la montagne de Sion. Montagne d'adoration. Montagne de célébration. Cité des rois des rois. Où on est en train de contempler, on reste dans la gloire. Imaginez-vous rester dans cette atmosphère-là. Quand vous descendez sur la terre, alors vous portez les sels, vous portez les goûts, vous êtes vraiment le sel de la terre. Parce que vous restez dans cette lumière-là. Quand vous sortez, vous apportez la lumière. Si Jésus est le soleil, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. L'église, c'est la lune. L'étoile n'a pas de lumière. La lune n'a pas de lumière. La lune reçoit la lumière du soleil, tout comme les étoiles reçoivent la lumière du soleil. C'est par là, au milieu de la nuit, nous brillons. Nous sommes pendant la nuit. C'est le temps où nous devons briller. Mais comment nous devons briller si dans l'intimité, nous ne restons pas pour recevoir de Jésus sa lumière, afin de faire briller le monde? La Bible dit, regarde toute la terre et dans les ténèbres, mais sur toi la gloire s'élève. C'est le moment où nous sommes, les ténèbres partout sur la terre. On peut toucher les ténèbres partout, c'est spirituel. C'est les ténèbres. Mais il y a un peuple sur qui la gloire se révèle pour que les gens qui sont dans les ténèbres soient dirigés. La Bible dit, les nations seront dirigées par la clarté de tes rayons. Ils seront conduits par la clarté de tes rayons. Nous sommes pendant le moment où nous devons diriger les hommes pour leur montrer Jésus. Au lieu de diriger le monde, nous commençons à copier des musiciens profanes. Nous commençons à commercialiser des choses. Nous commençons à féliciter les exploits des musiciens profanes. Comment est-ce que nous allons diriger le monde? Par là, je me limite. Par là, on va continuer. Plus tard, je n'ai même pas touché ce que je devais toucher encore. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Est-ce que je vais prier? Je peux prier pour quelqu'un maintenant. Est-ce qu'il y a des gens à qui je vais prier? Il y a des gens à qui je vais prier. Lève la main maintenant. Je vais prier. Lève la main maintenant. Il y a quelque chose qui va arriver. Je sens la chaleur dans mon front. Je suis en train de sentir une forte chaleur dans mon front. Il y a une forte chaleur dans mon front. Oh là là. J'avais prévu de faire juste 30 minutes, mais je vois déjà, c'est 1 heure du temps. Oh là là, mais que tout ça pour la gloire de Dieu. Waouh, tout ça pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu soit avec tout le monde. J'ai vu le révérend, il a été là,
Il a commenté, Apollos était limité seulement par le baptême des gens. Waouh! Alors il y avait des commentaires ici, que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos mains partout où nous sommes. Laisse-moi prier. Sois en train de voir une grande lumière sur mon front. Oui, certainement, la lumière va arriver. Élevez nos mains en haut. Maintenant, prions. Si tu as réussi la grâce de parler à langue, il y a un grand rayon de l'esprit. Alléluia. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu une porte sous forme d'un bateau. Et dans cette porte, il y a une grande, alléluia, nuée qui est sortie. Et on me dit, Chambre Kaba, la nuée sort de l'arche. Radea, la nuée sort de l'arche. Rebaba, la véritable arche. Chambre Kaba, c'est notre Seigneur Jésus. Rabababa, il y a la lumière du Seigneur Jésus. Rabababa, qui commencera à descendre sur chacun de nous. La nuée va toucher, la nuée va enflammer, la nuée va sanctifier, la nuée va purifier. Rabba Boborakata, élevez les mains, Chambre Kaka, quelque chose de si inhabituel va arriver maintenant. Quelque chose d'inhabituel va arriver maintenant. C'est l'électricité de la nuée. C'est l'électricité de la nuée. Ah, élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Recevez au nom de Jésus l'électricité de la nuée. Recevez l'électricité de la nuée. Recevez l'électricité de la nuée. Reçois. Alléluia. Reçois. Le ténèbre couvre la terre. Mais si toi la nuée de gloire arrive, si toi la nuée de gloire arrive, soyez revêtus de la nuée. Recevez. Rebe, Haribo, Shakate, Kula Marakate, Rima, ha ha ha. La gloire de Dieu te couvre comme un vêtement. Alléluia. Jésus fut revêtu de la puissance de Dieu. Et ha sacré, soyez revêtus de la nuée. C'est la colonne des nuées. Rama, chacun là-bas, koraba, et les Grecs, bababa, labo, raba, labo, labo, laba, kariama, rende koria, bababa, rababa, sarababa, halababa, la gloire de Dieu est terrible maintenant. Rababa, la gloire accède, en tout lieu. Sambrotala, reke, bababa, voici la gloire, la gloire de l'Éternel arrive. Voici la gloire, de l'Éternel arrive. Recevez cette gloire. Oh Reka, le vague de la nuée, Erebaba, bienvenue à Sion, bienvenue à l'atmosphère de la gloire. Bienvenue à Sion, bienvenue dans l'atmosphère de la gloire. Entre à Sion, entre dans l'atmosphère de l'adoration. Entre à Sion, entre dans le merveille de Dieu. Entre à Sion, entre dans la grâce. Entre dans la grâce, entre dans la gloire. Enka, lebro, sacra, hora, l'église, tout, lima, reko, au chocolat. Entre dans la grâce, bienvenue dans la grâce, viens dans la grâce. La Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés de la cité d'Élohim vivant. Vous êtes approchés de Jérusalem céleste. Vous êtes approchés d'une multitude innombrable des anges. C'est là où vous êtes. Élisée avait vu, alléluia, cette cité. Il a dit, alléluia, Seigneur, d'ouvrir les yeux, alléluia, à ses serviteurs, de voir une multitude de chars. C'était des anges qui les avaient entourés. Oh, je prie que Sion arrive là où tu es. Je prie que la cité de Dieu descende là où tu es. Rekababa wazakrotolobo sakate. Inda rak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 a. Oh, rakakakakakakaka. Sois approché d'une multitude innombrable des anges. D'une multitude innombrable des anges.
L'abla sacreba. Entre dans l'assemblée des fêtes publiques et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Kelebro wa chakra. Orakabayeko sabraka jodege. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Les mots s'abraça. Élève le main maintenant, je vais prier pour toi. Élève le main. Je peux voir la gloire de Dieu partout. Je peux sentir la gloire de Dieu. Il y a d'autres personnes dans leur maison, ils commencent à sentir l'odeur agréable. D'autres sentent l'odeur des poudres des bébés. C'est la gloire de Dieu aussi. D'autres sentent les odeurs des oranges. Dieu met fin dans la vie citronnée, dans la vie des citrons, dans la vie amère, dans la vie agaçante. Il y a tellement de la gloire, il y a tellement de poids de Dieu, il y a tellement de la puissance de Dieu. Lève le main, recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Horabaya. Recevez, oh l'alouya, recevez cette puissance, recevez cette puissance, que ton esprit qui a été longtemps troublé par l'assemblée démoniaque, par l'assemblée funèbre, maintenant ton esprit accède à l'assemblée des Sion. Là où il y a la célébration 24 heures sur 24. Là où on montre ce que Dieu est. Là où on révèle la puissance de Dieu. Là où on révèle la nature de Dieu. Entrez à Sion et résidez dans son ombre. Il est l'ombre des miracles sur ta main droite. Restez dans la gloire maintenant. Demeurez dans l'abri de Dieu très élevé et restez sous l'ombrage, sous l'ombre, sous le repos et sous la puissance, sous les boucliers de Dieu Tout-Puissant. Je sens une grande paix. C'est comme s'il y avait tellement des agitations et maintenant tout devient calme. Tu peux les sentir dans ton cœur. Tout devient maintenant calme pour toi. Je retire des maladies dans ton corps. Je prie que la bénédiction de Dieu te localise et que toutes tes voies soient éclairées. Plus jamais tu vas marcher sur le chemin de montagne. Maintenant tu marches sur le chemin aplani par l'Éternel. Tout vallée est comblée et toute montagne est abaissée. Recevez la faveur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Yes. Merci, au revoir à tout le monde et restez sous la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.